T'es en train de filmer et je viens de dire ça, c'est ça? De quoi? T'as filmé, j'étais en train de dire une connerie avec... Ah, j'ai pas entendu la connerie. Je peux la poster sur YouTube pour te venger, si tu veux. Ah oui, je peux la poster tout de suite, peut-être. Et l'envoyer direct. Bah, si tu veux, je te passe mon iPad et on le fait tout de suite. C'est con, hein. J'ai rien contre ça. Bah, oui, ça, je sais très bien, en plus. Mais je crois que j'ai même pas... Tu sais que sur YouTube, il y avait des vidéos de moi dans une baignoire en train de jouer avec une balle en plastique, alors... Pour lui, une table seule. Alors là, il y a Jean-Luc et Maria qui sont en train de galérer sur les grilles depuis 10 minutes. Non, 5 minutes. Alors sauf que là, il reste encore ça à enlever. Ça va être encore très compliqué, je pense. Effectivement, c'est compliqué. Elle l'a fait en 9 secondes. JM et sa chérie qui sont venus nous conter une histoire. Voilà. Et il va jouer dans le prochain Enduro de Gaine. Mais celle, je ne sais pas encore. En fait, on aimerait bien en faire un, mais le problème, c'est que maintenant, nos bagnoles, on y tient, quoi. Avant, on avait des 4L, tu vois. C'est un peu pourri, donc ça pose pas voilà. De soucis. Maintenant, il faut faire des Enduro de Gaine. Comme j'ai vu, une 4L à côté. Et moi, je dis là, pas Enduro de Gaine, tu peux faire Saint James Gaunt. La deuxième partie. Ah ouais. Ouais, mais je suis pas préparé là. Ouais. Parce que on a JM, sport, hein. On a JM, vrai, on a les plus, deux savants ouais. Fous. Tiens, pourquoi pas, ouais. Ça, c'est une super idée. Attention, chers visiteurs de Second Impact. Ce que vous avez vu là est un gros spoiler, car nous aimons bien vous casser les surprises. Mais nous devions vous faire partager cette idée remarquable de Nanou. Et c'est quoi ta série en ce moment? C'est Game of Thrones comme tout le monde. Faut te faire foutre. House parce que j'ai un an de ah, retard. Ah, j'ai des textes de voilà, House, j'ai chier. Un an de retard et voilà. Pour la réplique, c'est un lupus. Après, ouais. Avec le mec il meurt. Et là au moment où il s'enfonce, tu vois, tout le monde est là autour. Oh, ça, ah, je sais pas, soit il vomit du sang, il chie du sang, ou il pisse du sang. Ou alors il s'en coule de son nez, mais il y a plus avec des histoires. Non. C'est comme Grey's Anatomy. Alors Lola, elle est fan de Dr House. Elle a lu son livre, tu sais, il a écrit un livre. Son histoire est intéressante. C'est de la merde. Sinon, non, au niveau série. Ah, ça, je pense que c'est mieux par contre. J'ai tout fini au niveau. Voilà. Série donc j'ai encore rien commencé pour le moment actuellement. Non mais je faisais un peu du générique, ah, non, j'ai oublié. Moi non, ce que j'aimais bien avec le commencement de T'es fou, c'était Dr Globule. Parce ah oui, ouais. Que le lapin mais était doublé par le lapin de Sam & Max. Ah ouais. Eh ouais. Ouais, j'ai... Pas le lapin, le chien en os. Ah le chien, ok. Ouais. Ah, j'ai eu peur que Gaët dans sa vie fasse que des rôles de lapin, j'ai eu peur un moment. Mais attends, juste après le truc, il n'y avait pas eu aussi le truc avec Carlos, là, le dessin animé de Carlos. Si, ouais, sur le... J'ai failli voir Maurice Denis sur le coup, quand j'ai vu à travers le... C'est les bamboulas, ils sont sur mon taureau, non ah oui ouais. Oh putain. C'est vieux, ça. Ah oui. Mais c'est Paragore, c'est ça. Il y a... Ok. Allez, moteur. Fred, t'es à peu près au même endroit où tu étais. Donc, JM. En premier, gros plan avec Ven, où tu dis « Mais où as-tu caché la princesse ?» Ven se retourne, plan sur Fred, qui dit « Dans ton cul !» et qui allume son téléphone. Ok, moteur, action ! Herbert de Nevers, où as-tu... Dans son cul. Faut attendre que j'arrive et assieds-toi. Non mais attends, il s'est planté, c'est bon. Je suis... La merde, mon test, c'est quoi ? Herbert de Nevers, mais où as-tu caché la princesse? Ah mais on n'a pas dit action, donc tu vas pas défoncer la porte, quoi. La porte est encore fermée. C'est nous qui décidons. Ok. C'est dans le noir, comme ça. C'est impressionnant, hein. Non, pas encore. On n'a pas encore fini de faire pipi, nous. Allez, Ven. Moteur. Action. Alors ton rôle était plutôt compliqué, non? Ouais, c'était super dur de cadrer. Ça c'est ça j'imagine. Ouais, ça bougeait tellement. Et en fait ta bête t'a embauché en quelle année? Il y a juste 2 heures en fait. Ah il y a juste 2 heures? Ouais. Ok. Tout récent, ouais. Ouais. Et donc ton maître caméraman c'est qui en fait? C'est, je sais pas si vous connaissez, c'est un jeune réalisateur qui s'appelle Christophe Museau. Ah non, je... Voilà. Ah bah attendez, c'est qui ça? Mais c'est Christophe Museau! Oh bonsoir. Bonsoir. Bonjour, excusez-moi, je vis la nuit. Depuis quand vous avez été embauché par AB? Non, ça, je veux plus en parler. Ça, c'est un...
C'est un dur réel. Non, pas celui-là, putain. Donc James Bond, ça fait quoi de t'en mettre dans la peau d'un personnage quand même culte pour beaucoup? C'est le travail, l'abnégation. Ouais. C'est un rôle que j'ai beaucoup préparé. Ouais, fait à peu près 7 ans. Ouais. 7 ans. Mais il faut laisser des sacs les grosses couilles, j'imagine. Non, vas-y, couilles comme ça, tu vois. J'ai... Attends, moi aussi, on m'a baissé le froc. Je bois à peu près 4 litres de bière. Putain, c'est des boutons. Ah, c'est impressionnant. Je sais, c'est pour ça que je me. Moi aussi, je veux des boutons. Ouais. Et pourquoi une si méchante attirance pour les femmes? Je sais pas. Je pense que c'est un côté peut-être. Je sais pas, je pourrais pas le dire, mais l'essentiel c'est que je crois en mon métier. Je remercie ma famille, mes amis, mes parents, ma moitié, ma douce. Ah, oh, c'est beau. Voilà. C'est vraiment magnifique. Ah, d'ailleurs, On applaudit. Ouais. Voilà. Bon bah. Salut. Sous vos applaudissements. Salut. Ouais. Wouh. Allez, tout le monde qui donne 10. L'école des femmes. Maintenant, Lulu a découvert Wayback Machine. Ah ouais. Sa vie a changé. Pendant ce temps-là, JL, lui, est sur un site pornographique. Oh là là, oh mon dieu, c'est beau, hein. Ça coûte cher. Ça filme sur quoi, ça? SD. SD. XR. C'est la chanson maudite, c'est la dernière capote, en fait, le Final Countdown. Oui, à chaque fois je pense à ça, moi aussi. Tout le monde, je crois. Mais c'est un groupe allemand, je crois, et eux ils ont pas fait le rapprochement. Ils ont fait pas mal de chansons. Alors voyons voir, on a une étoile montante et un artiste reconnu. Oh. Surtout pour son ta-da-da. Bonjour. Salut Nanou. Ça va? Ouais. Mais Nanou, que se passe-t-il? Un tremblement de terre? Elle le fait beaucoup mieux que toi. Hein. Oh non, moi je connais rien, Queen. Moi, Queen, c'est pour les pédales en plus. Ah merde. Bah au moins comme ça je l'ai en boîte, tu vois. On était contente de te voir Nanou en vrai. Moi aussi. On peut même te toucher encore. Ouais, en plus. Bah non, on est sage hein. Oh regardez, il y a encore le décor du plateau AB qui est en place. Oh regardez comme il est heureux. Bonjour. Est-ce que tu as passé un bon week-end? Très bon. Oui. Très bon. Regardez, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu vois devant toi? Je vois la mer. Ah non, non, non. Cui. Ils vont nous haïr, ils sont en train de dormir, tu sais. Barbecue, je t'ai aimé, je t'ai nettoyé. Ces grilles t'ont été offertes par le plus beau et le plus tendre des hommes. Elles ont été nettoyées par amour, par un couple. C'est parti de Belgique pour rien. Pour rien du tout. Pour rien du tout. Par contre, il paraît qu'il y a eu des super orages, encore des pluies vraiment très. Mais non. Si.
J'ai vu ça sur le profil d'Alexandra, elle fait « Oui, il y en a marre des orages printemps, c'est bon hein. !» Putain, tu m'étonnes. Et il fait dégueu. Il fait dégueu. Bon, allez. Non mais comme voilà. Un pour tous. Tous. Tous pour un. Ouais. Mata hitotsu sora kara hoshi ga kieta make naku suikomareta mata hitotsu sara ni byouki ga fueta Rokuji no news de so itteta.